now my distinct honor to call upon the president of Hadassah France, the leader of Hadassah France, and a very, very close friend of the Hadassah hospitals in Jerusalem, Dr. Sidney Ohana. Très content de pouvoir vous dire quelques mots puisque je n'ai pas eu l'occasion depuis que nous avons pris le départ de Paris. Cette idée d'organiser un mini congrès, une mini réunion pour Hadassah simplement avec la délégation française nous est venue la dernière fois que nous étions ici. Michel Israël a su la mettre en œuvre, c'est là tout son talent. Il a suffi que l'on dise qu'on organisait ce voyage pour que beaucoup d'entre vous se joignent spontanément. Et ça constitue un groupe que je trouve merveilleux, homogène, sympathique et qui va avec nous participer à une semaine de découvertes extraordinaires. Vous allez découvrir l'hôpital Hadassah ce matin et ensuite les événements vont se succéder et vous allez voir à quel point Israël va vous émouvoir une fois de plus. Mais tout à l'heure, en étant installé derrière, en vous voyant ici tous attentifs et à l'écoute de ce que les médecins étaient en train de vous expliquer, comme ce sont des notions que j'ai déjà, mes pensées étaient ailleurs. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on réalise à quel point cette réunion d'aujourd'hui a quelque chose de miraculeux ? Le miracle, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, vous connaissez mes positions là-dessus, je le constatais ce matin en vous voyant. Parce qu'à quelques décennies d'écart, dans cette région du monde où des rescapés des camps de concentration sont arrivés, ont découvert des champs de malaria, la dysenterie, la maladie, étaient repoussés par les forces britanniques du mandat. Quelques décennies après, on se retrouve dans un des hôpitaux que je considère comme l'un des plus prestigieux du monde par son niveau de recherche et par son degré de soins cliniques. On se retrouve à parler des technologies les plus avancées, les plus avant-gardistes. Tout cela en quelques décennies. Alors comment en est-on arrivé là? Comment ce peuple décharné qui descendait de bateaux comme l'Exodus peut maintenant situer son niveau de recherche au niveau international? Eh bien, ça vient de deux choses principales dans mon analyse. La première, c'est cet extraordinaire instinct de survie qui existe chez ce peuple juif qui depuis des millénaires a réussi à survivre malgré l'adversité. Toutes les peuplades du monde ont cherché à l'éteindre parce qu'ils représentent une idée dangereuse pour le monde et on peut les comprendre. Cette idée, c'est que tous les hommes sont égaux, qu'il n'y a pas au-dessus de l'homme un clergé, une force supérieure, mais simplement un Dieu pour ceux qui y croient et qu'on s'y réfère. Et pour ceux qui n'y croient pas, eh bien, c'est qu'il y a des valeurs universelles qui ont été transmises au monde par ces fameux 10 commandements et qu'on veut continuer à les poursuivre. S'il n'y avait pas cette force extraordinaire, cette philosophie extraordinaire, je pense que jamais quelques décennies après, nous aurions pu réaliser ce bond en avant extraordinaire. Et ensuite, il y a ce sentiment de solidarité qui anime chaque juif. Solidarité qui fait que chaque fois qu'un juif dans le monde est blessé, on se sent nous-mêmes complètement amputés. Ce sentiment de solidarité, vous allez le comprendre en parcourant les corridors de l'hôpital et vous allez voir le nombre de plaques en remerciement à tous les gens de toutes les villes du monde juifs qui viennent soutenir l'action des médecins israéliens ici. Nous faisons des efforts dans la communauté juive de France, mais imaginez le courage et la force des médecins qui ont quitté toute leur culture de base pour venir ici reconstruire un pays. Madame Rothschild, qui a vécu la même vie que nous en France, ou tous ceux qui viennent d'Argentine, des États-Unis et de partout, pour reconstituer dans un pays où il y a plus de 100 nationalités, 100 langues différentes, un melting pot unique au monde. Je crois que si on analyse tout ce qui s'est passé dans le siècle dernier, qui a été terrifiant quand on repense aux années de bolchevisme, de stalinisme, de nazisme, et ce que le peuple juif a souffert, je crois que dans le siècle dernier, il y a une seule réussite que l'on puisse
concrètement voir, c'est celle de la naissance d'un nouveau pays, de l'État d'Israël. Et tout le reste, quand on fait un retour en arrière sur tout ce qui s'est passé dans le siècle dernier, n'a pas révolutionné, en tout cas, le monde. Je peux vous paraître grandiloquent dans mes propos, mais c'est parce que j'ai pris le temps longuement d'analyser un peu quelle était la situation d'Israël et la situation ici actuellement des hôpitaux. J'ai grandi dans tous les hôpitaux de France, tous les hôpitaux de Paris, j'ai tous fait. Qu'est-ce qui fait alors que je me trouve ici, dans un endroit qui me paraît extraordinaire? À la Pitié-Salpêtrière, c'est aussi grand en surface qu'ici. Dans certains autres hôpitaux, à Curie, ils savent très bien la recherche sur le cancer. Dans d'autres hôpitaux en France, la recherche sur la génétique. Ici, tout est concentré dans une même unité. Il y a d'autres grands hôpitaux en Israël. Vous faire visiter Tel HaShomer à Tel Aviv aurait été merveilleux. Rambam à Haïfa, c'est un hôpital extraordinaire aussi. Mais celui-ci est animé d'une volonté particulière. C'est non seulement servir l'autre par la médecine, mais servir la paix par la médecine. La médecine ici est considérée comme un pont qui permettra aux populations juives et non juives d'évoluer vers la paix. Et c'est ce qui m'a plu lorsqu'on m'a demandé de prendre la présidence d'Adassa France. Je n'avais pas simplement l'impression d'être un soutien philanthropique à un hôpital pour aider les gens à être mieux soignés, mais de contribuer par la société civile à réaliser un pont vers la paix entre des populations qui ne se comprennent pas. Et je pense que nous avons tous un devoir, chacun de nous, de réaliser ce pont et non pas de considérer que seuls les politiques, dont nous voyons les échecs depuis longtemps, de considérer que seuls les politiques ont ce devoir. Votre présence ici prouve que vous comprenez cette philosophie, que vous la soutenez. J'espère que vous allez en être convaincu quand vous allez la vivre, et vous allez voir que ça dépasse donc simplement les prouesses d'ordre technologique que nous allons voir. C'est, mettez-vous bien cela en tête, un hôpital comme il en existe peu, ça nécessite beaucoup d'argent, c'est de l'argent que vous donnez, que les juifs américains donnent, et qui sert à soigner autant de chrétiens, autant de musulmans, autant de juifs. Si l'on fait cela, c'est parce qu'on est intimement persuadé que chaque être humain est égal à l'autre, quelle que soit sa religion, mais surtout que nous allons, par cet exemple, montrer que nous pouvons évoluer vers une coexistence avec les populations des alentours et survivre tous ensemble vers la paix. N'oubliez pas, quand vous êtes ici, que nous sommes simplement dans un petit état de la taille d'un département français. Nous sommes plus petits que la Corse, plus petits que la Bretagne, et si l'on exclut la moitié d'Israël qui n'est pas habité, le Negev, nous représentons vraiment très peu de kilomètres carrés utiles. Et pourtant, le monde se déchire, et pourtant, on nous accuse d'être les fauteurs de troubles dans le monde. Cette histoire du juif cause de tous les troubles, nous la connaissons depuis des milliers d'années, donc elle continue à nous faire sourire. Il faut simplement considérer que nous avons, nous, à faire encore tous les efforts, à ne pas écouter les critiques. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons au monde, mais nous sommes là pour continuer à montrer que, par notre courage, notre force, notre solidarité, notre volonté, je ne dis pas notre intelligence, vous le remarquerez, parce que la notion de génie juif m'est tout à fait extérieure. Les notions génétiques dont on vous parle prouvent qu'il n'y a aucune différence entre les individus, simplement la volonté de survivre qui nous anime. Eh bien, cette volonté, vous allez la découvrir ici ce matin, vous allez la découvrir à Yad Vashem, vous allez voir comment on peut survivre au camp de concentration et à la mort, et vous allez la découvrir dans les autres parties du périple que je vous ferai découvrir dans les jours qui viennent. En tout cas, je peux vous dire à quel point je suis heureux de vous voir ici, ça me fait un bien fou. Je vois que chaque année, les délégations se forment et viennent soutenir l'action des hôpitaux, l'action des différents centres en Israël. Continuez à être actifs. Moi, je finis ma présidence cette année à Hadassah. Continuez à soutenir Hadassah derrière cela. Pensez bien que je ne vais pas à la retraite. Je prendrai la direction d'une autre fondation, qui est une fondation France-Israël qui sera plus politique, dans laquelle, évidemment, je vous solliciterai encore pour me suivre et m'accompagner. En tout cas, merci de croire en l'action d'Adassa et merci d'être présent. Je vous embrasse tendrement.